Bonjour, chers amis, j'espère que vous allez bien. En tout cas, c'est pour moi l'occasion en cette année de vous souhaiter une excellente année 2022. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'est bien de se souhaiter les vœux, mais j'ai encore mieux pour toi. C'est la parole de Dieu, comme nous le dit l'épître de Jacques au chapitre 1, verset 7. Toute grâce excellente, tout don parfait descendent d'en haut du Père des Lumières, chez qui il n'y a ni changement ni ombre de variation. Oh, c'est vraiment ma prière pour toi en cette année. Cela est possible, cette grâce excellente, parce que Dieu lui-même est excellent. Ce don parfait, parce que Dieu lui-même est parfait. Et cela est possible parce que tu as une alliance avec Dieu. Et cette alliance, c'est Jésus-Christ qui est venu sur la croix pour toi. Et il a fait de toi son enfant. Dans cette alliance, donc, tu peux recevoir pleinement de Dieu. Tu peux recevoir la grâce de Dieu afin d'accomplir ce pourquoi tu as été suscité, afin d'accomplir cette année ce que Dieu a prévu pour toi. Ne néglige pas ce que Dieu te donne. Ne regarde pas ce que les autres ont reçu, mais considère ce que Dieu a donné, Dieu t'a donné pour le valoriser. Jésus a donné cette parabole un jour. Un homme riche partait en voyage. Il a donné 5 talents à un de ses serviteurs, 2 talents à l'autre et 1 talent au dernier pour que chacun puisse valoriser ce qu'il a reçu. Mais nous savons que celui qui a reçu 1 talent, il méconnaissait son alliance avec son maître parce qu'il allait cacher le talent. Il n'était pas content et il considérait que son maître était méchant. Je viens te dire pour cette année, ne méprise pas ce que Dieu t'a donné. S'il t'a donné 1 talent, va et multiplie-le, fructifie-le, parce que Dieu sera vraiment ta bénédiction encore cette année. Et s'il t'a donné à plusieurs talents, ne te contente pas en disant non, j'ai suffisamment. Non, il y a encore des choses à faire, parce que ce que tu trouves grand est encore insignifiant aux yeux de Dieu et cette année. Alors que nous parlons de la grâce que Dieu nous fait dans cette alliance avec lui, il veut que nous puissions prendre en considération chaque grâce qu'il nous a donnée afin que cela puisse progresser. Que ton amour pour Dieu grandisse, que ton intimité avec Dieu grandisse encore cette année et que tu sois productif davantage en cette année dans ton travail, dans tout ce que tu fais. Parce que nous savons que à tes résolutions répondra le succès. Cette année, c'est une année de bénédiction pour toi. Ne néglige pas ce que Dieu t'a donné. Alors, 2022, je déclare que c'est une année de mon alliance avec Dieu. 2022 sera une année de succès parce que j'ai une alliance avec Dieu. Je t'encourage à marcher dans cette alliance et la grâce de Dieu, sa faveur, t'accompagne, te soutient, sois béni dans le nom de Jésus-Christ. À bientôt. On est ensemble. Bye bye.